Donc ce sera une vidéo méga méga achat. Donc je me suis un peu lâchée ce mois-ci vu que ça faisait quelques mois où entre guillemets je me privais. Donc là je me suis fait plaisir. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vous dirai les prix pour ceux que je sais. Donc je vais essayer de vous dire tout ça. Donc je vais commencer par les achats qui étaient à Zeman. Donc je me suis trouvé deux petites boîtes comme ça. Donc pour ranger mon bazar. Donc je sais pas encore ce que je vais mettre, mais je vais vite trouver. Donc je l'ai payé 79 centimes. Donc j'en ai pris deux. Donc je me suis trouvé un petit sachet de stickers en mousse pailletée. Donc il y a des fleurs, des ronds. Donc voilà, j'ai trouvé sympa. Comme j'en avais pas. Et puis pas. Pour ce prix-là, pour 99 centimes, ça vaut le coup. Du coup, je m'en suis pris deux paquets. Ensuite, je me suis pris une planche de stickers Mickey. Donc, voilà. Donc, c'est en 3D. Donc, je sais pas si vous allez voir. Donc, je vais les payer 79 centimes. Ensuite, je me suis pris une autre planche de stickers. Donc là, c'est gourmandise. Je trouvais trop mignon. Voilà. Donc je vais les payer 99 centimes aussi. En fait, là, je me suis racheté, c'est pas mal d'embellissement, en fait, parce que il m'en, c'est pas que j'en ai pas, mais à force, ça revient toujours au même. Et là, je voulais changer. Donc je me suis fait plaisir à beaucoup à ce niveau-là. Donc je me suis pris une autre planche de stickers, donc c'est papillons, des fleurs, et en fait c'est en transparent. Ils sont super jolis. Donc je l'ai payé 99 centimes aussi. Ensuite encore une planche de stickers, donc des fleurs. Donc pareil, c'est en 3D. Donc je l'ai payé 79 centimes. Une autre planche de stickers. Alors ça j'ai trop craqué, j'ai trouvé ça trop trop mini. Je l'ai payé 79 centimes. Donc c'est des petites souris avec des petits gâteaux. Trop mignon. Ensuite, je me suis trouvé des brillants, je sais plus comment ils appellent ça. Une couleur violette, bleu turquoise et blanche. J'ai payé 99 centimes. Ensuite, pour Zeman, j'ai trouvé trois lots de papier. Donc, je vais pas vous les déballer, hein, parce que sinon la vidéo elle va durer je sais pas combien de temps. Donc voilà les feuilles qu'il y a dedans. C'est juste, je les trouve juste sublimes, quoi. Donc je les ai payés 99 centimes et il y en a 25. Ensuite, j'ai trouvé un autre pack de papier. Donc je les ai payés 99 centimes. Voilà, donc je vous les sors pas. Hein. Et toujours la même marque et le même prix. Donc je sais pas si vous allez voir les feuilles. Là. Voilà. Donc voilà pour Zeman. Mes petites trouvailles.
mes petites trouvailles. Ensuite, on va passer... Bon, je garde le meilleur pour la fin. On va passer pour au magasin Action. Donc, je me suis pris une grande boîte en plastique. Donc, je me suis trouvé donc les petites roses en tissu de toutes les couleurs. Voilà, j'ai trouvé super sympa. Donc, par contre, j'ai pas le ticket de caisse. Je croyais que je l'avais gardé justement. Je sais pas où je l'ai mis. Bon, en tout cas, j'ai dû sûrement le payer quoi, même pas 1 euro. Donc, toutes les choses, de toute façon, à Action, c'est donné quoi. Donc, je me suis repris du double face. En mousse en 3D. Ensuite, je me suis pris 3 rouleaux de double face, un petit peu plus fin. Voilà, j'en ai pris 3 rouleaux. Ensuite, je me suis pris des petites perles. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, c'est or et argent. Si vous avez, voilà, donc pareil hein, j'ai dû peut-être payer 50 centimes les petites perles. Donc après je me suis pris un set bon, tout simple basique hein, du blanc de carterie. Donc il y a différentes tailles, donc il y en a 7 de chaque. Ensuite, je me suis pris 2 lots de tags de couleur craft. Ouais, il y en a 10 dans chaque paquet. Donc, j'en ai pris 2. Donc, avec la petite pistolet derrière, j'ai trouvé trop sympa. Et ça, je m'en souviens, j'ai payé 35 centimes le paquet. Donc, j'ai pas hésité. Ensuite, je me suis trouvé, je l'avais vu dans une des vidéos d'une strappeuse. Donc, en fait, c'est des post-it à la base. Donc pareil, je vais les détourner pour le strap. Voilà. Donc c'est super simple. J'ai dû payer 1,50€. Ensuite, je me suis trouvé 2 masking tape. Hop. Donc il y en a un tout petit, assez fin. Donc il est bleu turquoise avec... des étoiles, donc je sais pas si vous allez voir par contre. Et un autre qui est violet. Voilà. Donc ça j'ai dû payer moins d'1€ aussi. Donc après je me suis tout simplement repris des pinceaux. Parce que je commençais à tomber en rade. Je me suis repris un petit lot de pinceaux. Et ensuite, je me suis trouvé ça. Donc, en fait, à la base, c'est de la laine. Mais je vais le détourner en ficelle parce que ça ressemble à... Je ne sais plus le nom. Mais ça ressemble à ça. Donc, c'est tout très simple, je vais vous montrer. Si j'y arrive... Regardez déjà. Donc en plus, ils sont pailletés. Ils sont super jolis. Voilà. Donc c'est super fin, ça ressemble à la petite cordelette là. Donc voilà, il y en a du bleu turquoise, du vert anis, du violet, du blanc, du jaune, du orange. Voilà. Donc ça, j'ai dû payer 1€ ou 1,50€, à peu près ce prix-là. Donc voilà pour mes achats de chez Action. On va finir par une commande que j'ai fait à la fourmi créative.
Donc, on va terminer par ça. Donc, par contre, je suis désolée pour la qualité de la vidéo. Soit où je me mets, c'est trop sombre, mais on voit rien. Soit c'est trop clair. Donc, je suis désolée pour ça. Donc, j'espère que vous voyez quand même bien. Donc, je me suis fait plaisir. Alors là, c'est que de dire, je me suis lâchée. Donc, je vais vous montrer toutes ces merveilles. Donc là c'est pareil, j'ai pris beaucoup d'embellissements, de stickers, tout ça. Donc je vous montre tout ça. Donc c'est un lot de 10 petites pinces. Donc couleur bronze, argent, cuivre. De la marque Toga. Par contre là je dois avoir les prix. Oui. Alors. Pardon. Si je les trouve. Ah oui. Donc je les ai payés 3,30 €. Ensuite, je me suis pris un lot toujours de la marque Toga. Donc c'est des attaches parisiennes, des boutons. Ils sont juste. Puis il y a du ruban. Jusqu'à. Voilà, là vous voyez un peu mieux. Donc c'est sur le thème de la mer. Donc les. Excusez-moi. Le kit vu sur la mer, je l'ai payé 6,25 €. Ensuite, on va continuer dans cette lancée-là. Toujours de la marque Toga. Donc, il y a 16 attaches parisiennes et 6 boutons. Et toujours du ruban. Donc là, c'est un peu plus vintage. Voilà. Les roses, elles sont juste trop jolies. Voilà. Donc celui-ci, je l'ai payé 6,65 €. Ensuite, bon, je vais rester toujours, hein, parce que je pense que j'ai pris une bonne petite partie de la collection, toujours de la marque Toga. Voilà. Avec les attaches parisiennes. Toujours un effet vintage, les petites fleurs, tout ça. De la dentelle. J'adore celui-là. Il est super beau. Voilà. Donc celui-là, je l'ai payé 6,65 € aussi. Et pour finir, j'ai pris ce lot-là, toujours de la marque Toga. Donc là, c'est avec les appareils photo, les boutons, tout ça. Les boutons, ils ressemblent à des badges. Je pense que c'est ça, de toute façon. Donc toujours avec le ruban, il est juste canon, là. J'adore. Donc celui-là, le petit kit d'embellissement, photographie, donc 6,65 € également. Donc après, je me suis pris un lot de la même marque, toujours Toga. Donc les discutes, oh j'ai du mal, hein, les formes de découpe. Donc il y en a 44. Donc je vous les sors pas, hein, parce que sinon, je pense que tout le monde commence à connaître. Ces embellissements là. Donc je les ai payés 2,65 €. Ensuite toujours de la marque Toga, toujours des formes de découpe. Donc ça j'avais acheté le bloc Toga de papier. Donc là c'est petit bout de chou. Donc, bien sûr. Oh, on voit vraiment mal. Voilà. Donc également, je les ai payés 2,65 €. Toujours de la marque Toga. Des petits embellissements. Dans des sheetboards.
je vais peut-être mieux là. Donc il y en a 17. Je les ai payés 3,30 €. Donc après, je me suis pris une petite collection de stickers. Voilà, je vous montre. Ils sont juste canons. En fait, c'est argent, en fait. Argent fort brillant, c'est parce qu'on voit pas. On voit pas bien, mais... Super sympa. Donc j'ai pris celui-là. Celui-ci, donc or et argent. Non, je me trompe, celui-là, c'est que or. Ensuite, je me suis pris celui-là, toujours or. Et j'ai pris celui-là. Donc, chaque planche, je les ai payées 1,35 €. Donc, je trouvais ça très très raisonnable. Donc, du coup, je les ai pris. Je me suis pris un tampon montgolfière. Donc, il était à 1,10 €. Voilà. Ensuite, je me suis pris un lot d'embellissement en liège. J'adore. Juste canon, quoi. Et il y a cela. Donc voilà. Donc ça, je les ai payés. €1,96. Ensuite, je me suis pris ce petit tampon là. De la marque Artemio. Donc je l'ai payé 2,90 €. Ensuite, je me suis pris une planche de stickers de la marque Casey Art, hein, tout le monde commence à connaître aussi, hein. Donc c'était si je me trompe pas, je crois que c'était 2 €. Oui, c'est ça, 2 €. Donc ensuite, je me suis pris seulement 2 feuilles. Donc cette feuille là, donc c'est avec des chiffres, donc c'est couleur assez craft, hein. Donc c'est de la marque Studio Calico. Voilà, mon arrière c'est l'alphabet, donc j'ai tout pris pour ce côté là. Ensuite, la deuxième feuille que j'ai pris, c'est un effet journal. Voilà. Et derrière, c'est... Non, c'est pas mon style, hein, mais j'ai pris pour l'autre côté. Voilà. Donc les feuilles, je les ai payées. La feuille Studio Calico, je les ai payées 1,10 € et l'autre, je l'ai payée 1,05 €. Donc je vais finir par 2 planches 30-30 de stickers. Donc il y a un alphabet et tout plein de stickers des animaux. Voilà. Ce petit dinosaure, tout ça. J'adore. Et l'autre, c'est celle-ci.
toujours les animaux, hein. Bon, c'est garçon. J'essaie de prendre des petites choses pour garçon, parce que c'est très très dur à trouver, hein. Je trouve. Voilà, avec des petits mots. Voilà. Une frise là, sur le côté, en chevron. Voilà. Donc, ces deux planches de stickers 30-30, je les ai payées 2,75 € et 2,85 €. Donc voilà. Désolée, j'ai été vite pour faire cette vidéo. Bon, en 20 minutes, ça fait déjà une belle vidéo, je trouve. Donc voilà tous mes achats de ce mois-ci. Donc j'ai encore quelques trucs qui doivent arriver que j'ai acheté d'occasion. Je voulais pas attendre pour faire cette vidéo pour quelques petits trucs. Donc voilà, j'espère que cette vidéo achat vous a plu. J'essaie de revenir très très vite pour faire ma vidéo avec le tag. Je m'excuse auprès des filles qui me l'a demandé, mais c'est vrai que cette semaine j'ai été très très prise, hein, de la vie de tous les jours, et voilà quoi. Donc je reviens, je vais essayer de revenir la semaine, bah, la semaine qui arrive là. Donc j'essaie de faire ça au plus vite. Voilà, donc je vous fais des gros gros bisous et frappez bien. Et puis ben, pour ceux qui sont en vacances, bonnes vacances. Bisous.